Bonjour à tous. Donc effectivement, vous avez le contenu de ma présentation qui a été annoncé. Donc il va vous parler d'une solution de typage de données textuelles, donc d'analyse de fichiers CSV, qu'on commence à mettre en place chez Machina Corpus et qu'on a appelé Smart Import. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Machina Corpus, on est historiquement une société de services spécialisée dans les applications web. Et depuis quelques temps, on commence à regarder de très très près tout ce qui se fait en machine learning, pas juste parce que c'est un sujet tendance, mais aussi parce que c'est un sujet de société. Et comme on essaie d'avoir un discours sur certains sujets de société, par exemple le développement durable, ben ça nous intéresse aussi d'aller voir ce domaine-là et de pas juste réfléchir en termes de technique, mais aussi d'un point de vue sociétal et philosophique. Alors, je vais vous parler donc de ce projet. Je vais commencer par vous le présenter et je vais vous donner les trois premières étapes qui nous ont occupées jusqu'à présent. Donc, on y a passé 2-3 semaines actuellement. C'est loin d'être terminé, mais ça devrait ça va me permettre de vous parler d'un projet en machine learning et on va voir qu'il suit un processus assez standard. Et je terminerai par donc faire un bilan très rapide sur ce qui fonctionne actuellement et ce vers quoi on veut aller. Alors, c'est parti d'une idée d'un de mes collègues qui a des fichiers qui sont remplis par nos clients pour les applications web qu'on développe pour eux et qui contiennent un certain nombre d'informations. Et donc, par exemple, vous allez avoir des noms d'entreprises, des noms de communes, les adresses des entreprises, des numéros de téléphone, etc. Donc c'est des fichiers où il y a une information par ligne et un type d'information par colonne. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup d'informations à renseigner, nos clients, au bout d'un moment, se trompent. Alors ça peut être une petite erreur ponctuelle, ça peut être une erreur d'orthographe ou de typo, ou ça peut être carrément le décalage d'une colonne. Alors quand c'est juste sur une ligne, c'est pas très grave, mais des fois, ça peut être sur plusieurs lignes. Et dans le meilleur des cas, ce qui se passe, c'est que nous, ça nous embête pendant la période de développement parce qu'on a un bug qui vient de ce fichier et il faut qu'on parcourt le fichier pour retrouver là où les lignes qui posent problème. Et dans le pire des cas, ça passe quand même et vous uploadez une application qui contient des informations qui sont potentiellement erronées. Et là, après, c'est le fait de tester l'application qui va permettre de faire remonter ce type d'erreur. Donc l'idée, c'était d'avoir une méthode, de mettre au point une méthode qui va être capable de différencier comme ça certaines catégories de données. Et alors ça, ce serait la première étape. Donc l'idée, ce serait d'analyser une colonne, de se dire, je pense que c'est un nom d'entreprise, et si c'est un nom d'entreprise, cette ligne et cette ligne, elles contiennent potentiellement des erreurs. Et éventuellement, on peut proposer une aide à la correction. Donc là, ça irait vers une application web où vous uploaderiez votre fichier et vous auriez des indications pour corriger des erreurs éventuelles dans votre fichier. Alors, une solution auxquelles on peut penser, c'est d'avoir un annuaire par type de données. Par exemple, vous avez tous les noms d'entreprises et vous vérifiez que votre donnée apparaît bien dans cet annuaire. Vous pouvez également avoir des règles de formatage pour un numéro de téléphone ou pour une URL, ça peut complètement s'envisager. Donc le désavantage, c'est que ça ne va pas être une solution très, très générique. Et ça demande donc déjà d'avoir une idée du contenu des fichiers, de maintenir à jour ces annuaires, et ça peut prendre aussi beaucoup de temps si vous avez de nombreuses catégories à prendre en considération. Donc, comme on avait en plus envie de faire du machine learning, on s'est lancé dessus et on s'est dit qu'on allait essayer de concevoir un système capable d'apprendre à reconnaître différentes catégories. Alors, le principe des méthodes de machine learning, c'est que vous avez une phase d'apprentissage et ensuite, normalement, vous devez pouvoir généraliser cet apprentissage, donc travailler sur des cas de figure qui n'étaient pas directement présents dans l'apprentissage. Donc, il y a un exemple que j'aime bien donner. Donc, vous pouvez entraîner une méthode à faire la différence entre des photographies de canards et des photographies de castors. Donc ça va être votre étape d'apprentissage. Et si votre modèle est bien entraîné, normalement, vous devriez pouvoir... Alors, ça ne se voit pas très bien, mais c'est un ornithorynque. Et si vous lui passez une photographie d'ornithorynque, normalement, si votre méthode est bien entraînée, elle doit être capable de vous dire « C'est plutôt du castor, mais il y a quand même un peu de canard dans ce que tu me donnes. » Donc ça, c'est le principe de la généralisation.
Alors, les avantages pour nous, ça va être de pouvoir identifier certains types de données, même si on n'a aucun annuaire, aucune règle de formatage, d'avoir un peu plus de souplesse dans le résultat qui est donné. Là, par exemple, on a vu qu'on n'a pas juste une réponse binaire, on a une réponse qui dit, je pense que c'est un castor à 90% et du canard à 10%. Et ce type de méthode, on va pouvoir aussi aisément prendre en compte les retours des utilisateurs pour la faire progresser. Donc, les méthodes classiques en machine learning, c'est des méthodes par apprentissage supervisé. Donc vous avez vos données, vous avez ce qu'on appelle les labels, c'est le résultat que vous souhaitez obtenir. Et votre algorithme va vous fournir un modèle qui va être capable de fournir une nouvelle prédiction à partir de nouvelles données. Donc ça, c'est l'apprentissage standard. Vous apprenez une fois et vous arrêtez là. Ce qu'on peut faire, c'est de l'apprentissage par renforcement. Donc on va continuer, une fois que l'apprentissage est terminé, à fournir des données à l'algorithme. Et ce qui va être important, c'est ici notre agent qui va valider ou non la prédiction. Donc là, c'est notre utilisateur qui va dire « là, tu m'as dit que je me suis trompé, et en fait, pas du tout, ça, c'est bien un nom d'entreprise. » Et la méthode va prendre en compte ce résultat et va l'utiliser pour continuer son apprentissage et devenir de plus en plus performante. Alors, est-ce que c'est possible ? Donc, on a regardé un peu nos fichiers et il nous est apparu que, a priori, oui. Vu que bon, on a un code postal par exemple ou un numéro de téléphone, ça suit des formats assez réguliers. Et surtout, si on regarde là, parmi les exemples, vous avez des noms de communes et des noms d'entreprises. Gif sur Yvette, je me dis que c'est plutôt un nom de commune. Et à l'inverse, Génopole, c'est plutôt un nom d'entreprise. Alors vous pouvez avoir le garage de Gif sur Yvette, mais là encore, vous allez avoir ce terme, le garage, qui va vous permettre de faire la distinction entre le fait que ce soit une entreprise et le fait que ce soit une ville. Et on s'est dit que si ce n'était pas complètement impossible de le demander à un être humain, on pouvait tenter de le demander à un algorithme. Alors, la première étape qu'on a eue, et c'est une étape qui est commune à tout ce type de méthode, ça va être de rechercher des données. Alors, pour l'instant, celles qu'on a utilisées sont essentiellement issues de data.gouv. Donc ça va être des choses comme des codes postaux, des noms de communes, des noms d'entreprises, de musées, les numéros de téléphone et les URL qui vont avec. Et alors ça va nous fournir notre matériau de base pour entraîner notre méthode. Et si vous n'avez pas ces données-là, vous arrêtez puisque vous ne pouvez pas lancer votre apprentissage et il en faut des données pour être confortable. À partir de quelques centaines de données par catégorie, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à mettre en place une méthode de machine learning. Pour être vraiment confortable, l'idéal c'est d'avoir quelques milliers de données par catégorie. Donc c'est un travail qui prend du temps. D'autant que ces données, vous les récupérez jamais sous le même format. Même quand elles sont sous le même format, par exemple le format CSV, vous avez des petites différences. Donc, par exemple, vos colonnes ne sont pas séparées par une virgule, mais par un point-virgule. Vous pouvez avoir des encodages différents. Donc on a un vrai travail de développement qui consiste à prendre en compte les différents formats possibles. D'autant que c'est un problème qu'on aura aussi sur l'application finale, puisque quand les clients vont nous fournir leurs fichiers, on ne va pas leur demander de s'adapter à notre format. On va essayer de couvrir le plus grand nombre de formats possibles. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que les catégories que nous, on va chercher à identifier, elles ne sont pas présentes directement dans les données qu'on récupère. Par exemple, une date de création de l'entreprise, c'est une date, en fait, et on va essayer de le reconnaître comme une date. Donc, nous, on est obligé de parcourir fichier par fichier et de faire des correspondances entre les noms des colonnes quand ils existent et nos catégories à nous qu'on cherche à identifier. Et le dernier problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des données qui sont déséquilibrées, dans le sens où vous allez avoir des catégories, donc par exemple comme les noms de villes, où on va avoir de très nombreuses données. Donc là, vous voyez, là, ça correspond aux barres qui vont assez loin sur l'écran. Et on va avoir des catégories pour lesquelles on n'a pas encore assez de données. Donc par exemple les dates, 160 données, c'est très juste pour commencer à apprendre sérieusement. Donc c'est un vrai problème parce que vous allez avoir beaucoup de méthodes de machine learning qui ne vont pas du tout être capables de prendre en compte ce déséquilibre. Vous pouvez penser à un problème très simple, la prédiction de panne pour les avions. Les données que vous récoltez, il y a un déséquilibre. Vous avez forcément moins de cas de panne que de cas où l'avion fonctionne bien. Et malgré tout, les méthodes que vous allez utiliser pour faire de la prédiction de panne, elles ont un postulat que vos données seront équilibrées pour les deux catégories. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait, puisque, après tout, on pourrait penser que ce déséquilibre, c'est en soi une information sur laquelle on pourrait s'appuyer. Si vous avez mal à la gorge, vous pensez plus à une angine qu'un cancer de la gorge, parce qu'une angine, c'est quand même plus fréquent.
Donc, je vais me baser sur un type de méthode qui correspond à des méthodes géométriques, où l'idée, c'est de décrire chaque donnée comme un point dans un espace à n dimensions et de chercher une frontière qui sépare les points. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Juste deux dimensions, ça suffit. Donc, vous avez des points jaunes et des points bleus, ça, c'est nos deux catégories. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on est venu chercher une frontière, donc en rouge, qui sépare ces deux catégories. Donc là, on a essayé de maximiser l'espace entre les données les plus proches et la frontière. Ça nous permet, quand on a une nouvelle donnée, de regarder de quel côté elle se place de ma droite rouge et de l'attribuer à l'une ou l'autre des catégories. Donc pour rechercher la frontière idéale, vous allez faire varier les paramètres ici de votre droite et vous allez tester comme ça différentes droites et petit à petit, vous allez converger vers la droite qui sépare au mieux vos données. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est la droite qui commet le moins d'erreurs possibles en séparant ces données. Parce que très souvent, vous avez des cas de figure comme ça, vous aurez des ce ne sera pas possible de séparer vos données, vous en aurez quelques-unes qui correspondront à des erreurs, et celles-là, vous allez choisir de les ignorer, puisque même si vous vous trompez sur ces données-là, déjà, ça peut être des erreurs, ou alors des données extrêmement minoritaires, et dans le cas général, votre prédiction sera juste le plus souvent. Alors ça marche pour des données équilibrées, et si on prend des données déséquilibrées, on voit vite le problème. Donc là, j'ai une frontière en vert qui serait plutôt celle vers laquelle qu'on voudrait obtenir, puisqu'elle sépare quand même mes données jaunes et mes données bleues. Le problème, c'est qu'elle commet une erreur sur 4 données jaunes, alors que si je prends une frontière qui ne sépare pas du tout mes deux catégories, qui est celle que vous avez en mauve, je vais avoir 3 erreurs. Mes 3 erreurs, c'est l'ensemble de mes données pour ma catégorie bleue, mais ça donne un score qui est quand même meilleur. Donc là, c'est vraiment un cas extrême, mais c'est concrètement, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer. Et il existe il y a plusieurs solutions qui ont été proposées pour se sortir de cette problématique. Donc vous pouvez dupliquer certaines données. Ça a l'air de rien, mais si vos points bleus, il y en avait une centaine par chaque point bleu, ben là, vos 4 points jaunes qui sont mal placés, ils comptent plus autant. Et ça a un énorme avantage, c'est que vous n'allez pas rajouter d'informations. Alors, vous pouvez aussi choisir de créer des données de synthèse, mais là, justement, vous allez créer des données qui sont légèrement différentes des vôtres, donc vous venez rajouter de l'information dans vos données d'apprentissage, et ça, il faut bien que vous le maîtrisiez. J'ai donné une formation en machine learning chez Burad, et eux, ils veulent détecter des photographies de réactions chimiques pour analyser les groupes sanguins, et ce qu'ils cherchent à détecter, c'est les cas où la photographie n'est pas d'assez bonne qualité pour qu'on puisse prendre une décision. Et donc là, effectivement, pour eux, ça marche bien de créer des données de synthèse en venant introduire des perturbations de manière aléatoire dans l'image. Donc on peut réduire aussi les données pour les catégories qui sont surreprésentées. Ça, c'est tout bête, hein. Si jamais vous avez assez de données pour vos classes qui sont les minoritaires, bah, vous pouvez juste réduire le nombre des classes qui sont trop présentes. Il faut que vous fassiez attention à vérifier que vous conserviez bien toute l'information que vous avez dans toute la variété que vous avez sur ces classes. Et alors nous, on s'est dit qu'on allait commencer par voir si tout simplement on pouvait pas trouver une méthode qui gère correctement ces déséquilibres. Alors, donc on a commencé le travail de collecte des données et on en est à un stade où on peut commencer à réfléchir à notre méthode de machine learning, même s'il faut continuer la collecte des données. Et notamment, on a pu commencer à réfléchir sur comment fournir nos données dans une forme qui soit interprétable par un algorithme. Donc nos données, c'est des chaînes de caractères qui sont assez courtes. Et on va y revenir, on va voir que c'est un type de données assez atypique dans le domaine du machine learning. Alors l'ennui, c'est que, contrairement à cette photographie, vos algorithmes ne savent pas lire. En fait, ce qu'ils savent manipuler, c'est des données chiffrées. Formelle, on va en fait chercher à avoir un vecteur numérique de dimension n. Donc ça va être une succession de données chiffrées qui vont décrire plusieurs aspects de la donnée. Donc, chaque vecteur numérique décrit une donnée, et on parle en fait de choisir un descripteur pour représenter les données. Alors, par exemple, si vous voulez mettre en place un système d'arrosage automatique, vous pouvez avoir la température, l'hydrologie, la durée depuis le dernier arrosage, le type de la plante et l'état de la plante. Donc, vos 3 premières informations, ça c'est bon, généralement ça correspond à des nombres. Pour le type de la plante, eh bien, on va venir associer chaque type de plante à un entier. Et on va essayer de faire en sorte que des entiers qui soient proches correspondent à des types de plantes qui aient besoin du même type d'arrosage. Voilà. Donc ce n'est pas un travail facile. Et puis pour l'état de la plante, alors
c'est la première solution qui m'est venue à l'esprit, mais c'est peut-être parce que j'ai fait une thèse en analyse d'image. Moi, je prendrais une photographie de la plante et j'essaierais d'analyser cette photographie. Donc on peut prendre une toute petite photo hein, de 48 par 48 pixels, mais on va voir que même ça, ça correspond à énormément d'informations, puisque chaque pixel, vous le décrivez par trois entiers, donc, dont les valeurs sont comprises entre 0 et 255. Et au final, ça vous fait un descripteur que vous n'allez certainement pas utiliser tel quel, puisque vos pixels de l'image, ça va gonfler la taille de votre descripteur et qui va être de dimension un peu trop importante pour que votre méthode puisse apprendre quoi que ce soit dans un temps qui soit raisonnable. Alors pour le texte, on a beaucoup de méthodes qui ont été proposées. La linguistique informatique, c'est un domaine de recherche très actif. Mais c'est souvent des analyses statistiques des textes. Donc quels mots sont présents et dans quelle fréquence. C'est comme ça qu'on va pouvoir analyser le style d'un texte. Alors je ne sais pas, c'était il y a quelques années, il y a peut-être même une dizaine d'années, on avait des chercheurs comme ça qui avaient émis l'hypothèse que les textes de Molière avaient peut-être été écrits par Corneille, parce que les deux styles se représentaient énormément. Bon, ça s'est arrêté là parce que vous n'avez aucun moyen de vérifier. Donc ça va être pour des corpus de texte, mais des corpus de texte de taille importante. Et nous, ce n'est pas du tout le cas. On n'a que des chaînes de caractères qui sont très courtes, et souvent elles ne suivent absolument pas une structure grammaticale standard. Notamment, on a beaucoup de nombres dans nos chiffres, que ce soit sur les numéros de téléphone, les adresses, etc. Alors, le descripteur qu'on a utilisé, il est tout simple. Je ne suis pas sûre que ce soit nous qui l'ayons inventé. Donc on va voir, c'est un descripteur en deux dimensions. Alors deux dimensions, on s'est dit, ça serait chouette que notre descripteur, ça puisse donner une image à la fin, parce qu'on a ce qu'on a en tête, c'est de tester les réseaux de neurones, et des réseaux de neurones qui arrivent à classifier des images, on en a qui existent, qui sont très performants et déjà entraînés. Donc ça nous intéresse énormément, parce que ça nous permettrait d'utiliser des méthodes qui ont fait leurs preuves, et dont on aura très peu de travail à faire pour pouvoir les adapter à notre problème. Donc l'idée, c'est que vous avez une colonne par lettre. Alors vous avez les lettres de l'alphabet, vous avez les chiffres et vous avez quelques caractères de ponctuation qui nous ont paru pertinents. Une dernière colonne qui indique si ma lettre est une majuscule ou pas. Et ensuite, je vais analyser. Donc chaque ligne, ça correspond à un caractère de ma chaîne de caractères. Donc là, par exemple, mon premier caractère, c'est la lettre B qui est une lettre majuscule. Mon deuxième caractère, ça va être la lettre A. Et mon troisième caractère, ça va être la lettre C. Et si ma chaîne de caractères ne contient pas plus de 3 caractères, ben on va indiquer que pour les caractères suivants, ils sont non renseignés. Parce que c'est aussi une information, ça me donne une idée de la taille de ma chaîne de caractères. Et ça nous permet d'avoir un descripteur qui est homogène, quel que soit le bout de texte qu'on essaie d'analyser. Alors, en termes d'image, ça donne quelque chose comme ça. Donc en blanc, c'est les cases qui étaient à 1. Donc là, vous avez un exemple pour un nom d'entreprise. Et si on regarde ce qu'on a pour une date, on se dit qu'on a effectivement deux choses assez différentes et que c'est pas si fou que ça de se dire qu'on pourra les différencier. Alors, donc là, on est venu chercher un descripteur pour nos données. Maintenant, on va rechercher une méthode de machine learning. Et le problème des méthodes de machine learning, c'est que si vous regardez... Alors, c'est une capture d'écran qui a été prise sur le site d'i3e, qui est un des éditeurs de publications scientifiques dans la recherche. C'est un des plus gros, mais ce n'est pas toutes les publications de recherche. C'est les papiers. Alors, ils ont commencé à archiver leurs papiers. Je pense que la date de départ, ça doit être quelque chose comme 1960. Et on voit que quand même, sur l'apprentissage supervisé, il y a pas mal de choses à aller lire pour savoir ce qui a été fait dans le domaine. Bon, vous n'avez pas besoin de tout lire, bien sûr. Il y a beaucoup de papiers dont vous pouvez vous passer. Mais c'est quand même compliqué d'avoir une vue exhaustive du domaine. Alors, pour renforcer ce que je viens de dire, vous avez un schéma que vous allez trouver sur le site de Scikit-learn, qui est une bibliothèque Python extraordinaire pour faire du machine learning, qui est vraiment très très bien conçue, et qui vous donne alors un arbre de décision qui vous permet de choisir un type de méthode en fonction de votre problème. Donc ça, c'est déjà un très bon point d'entrée. Vous allez voir, donc ça vous permet de décider en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction des données dont vous disposez. Et si on regarde juste pour le problème qui nous intéresse, qui s'appelle de la classification, on voit qu'il y a quand même déjà pas mal, alors c'est en vert, hein, il y a pas mal de méthodes différentes qui existent. Et alors, toutes les méthodes qui sont présentes dans Scikit-learn ne sont pas représentées. Et toutes les méthodes de machine learning pour ce type de problème ne sont pas non plus implémentées dans Scikit-learn. Même si vous admettez que vous vous focalisez sur un type de méthode, vous savez que tel type de méthode, ça ira bien pour votre problème, votre méthode, il va falloir que vous fixiez ses paramètres. Donc c'est un modèle mathématique et vous avez un ou plusieurs paramètres dont vous devez fixer la valeur.
Donc l'idée, c'est que votre algorithme doit obtenir de bons résultats avec ces paramètres, mais qu'un léger changement, que ce soit dans les données ou dans les paramètres, ça ne vous fasse pas chuter d'un coup vos résultats. Donc vous voulez une méthode qui soit performante et vous voulez qu'elle soit stable. Toujours dans l'idée de généraliser et d'être résistant à des données qui seront légèrement différentes des données d'apprentissage. Alors je vais vous donner un exemple avec les forêts aléatoires. Donc c'est un type de méthode archi-classique de machine learning. Et alors, une forêt aléatoire, c'est simplement une combinaison de méthodes toutes simples qui s'appellent des arbres de décision. Et un arbre de décision, ça peut se schématiser comme ça. Il va prendre votre donnée, il va se focaliser sur une ou plusieurs caractéristiques, il va fixer des seuils, et selon que vous êtes en dessous ou au-dessus de ce seuil, vous appartenez ou non à la catégorie qu'il cherche à identifier. C'est un résumé grossier, mais voilà, vous pouvez le concevoir comme ça. Donc vous avez un exemple avec des saumons, donc on regarde le poids du poisson, et s'il est supérieur à 2 kg, on considère que c'est un saumon. On est d'accord que c'est pas, enfin dans ce cas-là, ça ne marchera pas très très bien, et de manière générale, les arbres de décision ne donnent pas de très bons résultats, d'où l'idée de les combiner. Alors, on va en prendre plusieurs, on va leur faire apprendre à reconnaître les données, et on prend notre ensemble de données d'apprentissage, et on ne donne pas les mêmes à chaque arbre. Donc chaque arbre va se spécialiser différemment. Il va être sensible à différentes caractéristiques, il va fixer des seuils légèrement différents, et on va venir combiner les prédictions de tous les arbres. Donc vous avez vraiment l'idée que si vous combinez des méthodes qui ne sont pas très performantes, mais très rapides, vous allez obtenir une méthode beaucoup plus performante. L'avantage, c'est que vous pouvez très bien, très facilement paralléliser ce type de méthode, puisque vous avez plein de petits traitements qui sont tous les mêmes. Alors, si je regarde les paramètres pour ma forêt aléatoire, je vais avoir le nombre d'arbres de décision, le pourcentage de données utilisées pour chaque arbre, éventuellement le nombre de caractéristiques maximales qu'un arbre peut prendre en considération. Vous pouvez aussi avoir la profondeur de l'arbre, est-ce qu'il y a plus ou moins, combien de tests en fait il peut y avoir. Donc ça vous fait, même si c'est des paramètres qui sont un peu intuitifs, et je vous garantis qu'il y a des méthodes de machine learning pour lesquelles les paramètres sont beaucoup moins intuitifs, donc là vous vous doutez que si vous mettez beaucoup d'arbres de décision et que vous les entraînez avec un pourcentage conséquent à chaque fois de vos données d'apprentissage, sans leur donner par contre 100% de vos données d'apprentissage, vous allez obtenir des résultats qui seront meilleurs que si vous avez 3 arbres que vous entraînez chacun avec 5% de vos données d'apprentissage. Donc, on sait qu'il faut mettre beaucoup d'arbres et on sait qu'il faut que vos données d'apprentissage aient un pourcentage conséquent. Mis à part ça, ça va être quand même difficile de trouver les bons paramètres et on va quand même être obligé de les tester, donc d'en tester différents, et de choisir un ensemble de paramètres qui vont donc donner de bons scores tout en étant stables. Donc ça fait de nombreux tests à faire. Et il y a quelque chose auquel vous devez faire très attention, c'est que les données que vous utilisez pour entraîner votre modèle, il ne faut pas du tout que ce soit les données qui vous permettent de le valider. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, donc concrètement, ça va donner un ensemble d'apprentissage et un ensemble de tests. Et ce qu'on veut éviter, en fait, c'est le surapprentissage. Donc les algorithmes, ils ont quand même tendance à se spécialiser sur les données avec lesquelles vous les entraînez. Et si vous prenez un nouvel ensemble de données et que vous testez votre méthode dessus, il y a de fortes chances pour que vous ayez des résultats qui soient un peu moins bons, parce que vos données sont légèrement différentes. Donc ça, vous ne pouvez pas entraîner... Enfin, moi, ça m'est arrivé avec les réseaux de neurones, d'entraîner mon réseau de neurones, d'avoir 98% de réussite sur mes données d'apprentissage, et de me rendre compte qu'il s'était tellement spécialisé que quand je lui passais de nouvelles données qui n'étaient pourtant pas si différentes que ça, je tombais à 30% de réussite. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure que vous voulez éviter. Et l'idée, donc, c'est de vérifier que votre méthode est bien capable de généraliser. Donc, la généralisation, et pour ceux qui auraient oublié ce que c'était, c'est de savoir reconnaître un ornithorynque. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est de la cross-validation. Donc, sur SkyKitLearn, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir la recherche des paramètres et la cross-validation. Et la cross-validation, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre vos données, vous allez les séparer une première fois. Vous allez en prendre 70%, par exemple, pour vos données d'apprentissage et en garder 30% pour les tests. Vous testez votre méthode avec ces paramètres et vous revenez prélever un ensemble d'apprentissages différents et un ensemble de tests différents. Vous le faites plusieurs fois et vous allez calculer un score moyen là-dessus. Donc, vous allez éviter les cas en fait, où, par exemple, votre ensemble de tests serait excessivement facile. Donc ça, je laisse prendre la photo. Ça, ce qui est génial avec SkyKitLearn, c'est que vous allez le faire en une seule ligne. Donc vous avez votre fonction GridSearchCV, vous allez lui passer votre modèle, les paramètres que vous voulez tester, et il va se charger de vous faire la validation croisée et de vous retourner les paramètres les plus adéquats en l'ayant testé sur des ensembles d'apprentissage et de tests différents.
Alors, quand je disais que c'est une librairie fantastique, c'est qu'ils ont réussi une prouesse, c'est d'implémenter de très nombreuses méthodes de machine learning avec toute la même API. Donc pour automatiser les tests, c'est extrêmement facile. Et c'est tellement facile qu'il y a déjà au moins deux personnes qui l'ont fait. Donc, je suis désolée, ce n'est pas très lisible, mais vous avez deux projets, Auto SkyKit Learn et Teapot, qui sont deux tentatives de tester automatiquement des pipelines de machine learning. Et nous, c'est ce qu'on a utilisé. Alors, ça prend trois lignes de code. Auto SkyKit Learn, il va vous sortir plusieurs modèles et plusieurs paramètres pour lesquels il a obtenu de bons résultats. Et Teapot, ça va être un algorithme génétique. Donc, il va tester différents, il va générer différents pipelines possibles. Il va prendre ceux qui ont le mieux fonctionné, il va les scinder en deux, il va combiner des pipelines qui ont bien fonctionné, et il va introduire des petites mutations de manière aléatoire. Et il va comme ça itérer plusieurs fois, et à la fin, vous allez avoir une population, un pipeline de machine learning, donc on peut combiner différentes méthodes, qui vous donne le meilleur score possible. Alors vous avez une part d'aléatoire hein, selon la population de départ que vous avez ou selon le nombre d'itérations que vous autorisez, vous allez trouver plus ou moins des solutions plus ou moins pertinentes. Donc en le faisant tourner, je crois que le plus long, j'ai dû le faire tourner toute une nuit, j'arrivais à, donc sur un jeu de données très simple hein, à 98% de réussite. Et Teapot, lui, ce qu'il vous donne carrément, c'est un script Python qui correspond à votre méthode de machine learning. Donc vous n'avez même pas à écrire le code. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a fait actuellement, et je pense qu'il est temps qu'on vous fasse un petit bilan sur ce qu'on a réussi à faire. Donc ce qu'on va mettre à disposition très prochainement, c'est le descripteur de notre modèle et tout le code qui nous a permis d'entraîner et de sélectionner le modèle. Donc ça permet... On est une société qui utilise des outils libres et qui essaie de participer à la communauté tant que faire se peut. Et du coup, ça nous intéresse vraiment de partager sur ce projet pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent faire d'autres tests, qui nous donnent des retours, des choses comme ça. Ce qu'on est en train de finaliser actuellement, c'est la prédiction d'une catégorie pour une donnée. Donc ce qu'on a qui fonctionne assez bien et qu'on est vraiment en train de finaliser en termes de code, c'est de déterminer une catégorie pour une colonne. Donc quand vous êtes à 98% de prédiction juste, effectivement, vous pouvez prendre une colonne, vous pouvez regarder les données qui appartiennent à cette colonne, à quelle catégorie elles ont été attribuées, et vous pouvez assez facilement dire que bon, bah, s'il y a une majorité de données qui a été attribuée à la catégorie entreprise, c'est que ma colonne doit contenir des noms d'entreprise. Et donc voilà, c'est ce à quoi on travaille. Pour mettre un petit peu à jour par rapport à ce qu'il y a sur les slides, on est en train de regarder la partie qui va essayer de détecter qu'une donnée est erronée. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce que même si vous n'avez que 2% d'erreurs, 2% d'erreurs sur plusieurs milliers de données, ça fait quand même beaucoup de données à corriger pour rien. Et on ne peut pas du tout solliciter nos utilisateurs pour ce nombre-là de données. Ils vont haïr notre système d'analyse de données. Alors, ce qu'il nous faut continuer, donc c'est le travail sur les données. Clairement, il nous faut récolter d'autres données, même si ce n'est pas la partie la plus gratifiante du projet. Ça ne demande pas de se creuser beaucoup la tête, mais il faut le faire, parce que tant qu'on n'a pas de la donnée et de la donnée diversifiée, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Notamment, actuellement, une des grosses faiblesses qu'on a au jeu de données, c'est que c'est que de la donnée française. Et par exemple, les numéros de téléphone, ce n'est pas du tout les mêmes en France ou à l'étranger. Même chose, je pense qu'un nom de commune au Royaume-Uni, ça n'a pas du tout les mêmes sonorités qu'un nom de commune en France. Alors ensuite, ce qu'on veut tester, c'est les modèles de deep learning. Donc il faut que je le lance, il faut que je trouve un peu de temps pour le faire. Parce que pour l'instant, on a testé des méthodes type SVM, Random Forest, et on n'est pas allé chercher du côté du deep learning. Alors c'est beaucoup moins automatisable. Un réseau de neurones, il faut concevoir son architecture. Et on pourrait imaginer des algorithmes génétiques qui testent différentes architectures. Mais le problème, c'est que le temps d'apprentissage pour les réseaux de neurones, il est beaucoup plus lent. J'ai un ami qui a fait sa thèse sur le sujet. Ces modèles, il les laissait tourner 3 semaines pour qu'ils aient appris correctement. Donc c'est un peu difficile de lancer un algorithme génétique dessus. Alors, sachant que nous, ce qu'on va aller tester, c'est des algorithmes qui ont fait leurs preuves sur de l'analyse d'images, par exemple reconnaître des chiffres tracés à la main ou ce genre de choses. Et ensuite, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est d'utiliser une méthode de machine learning qui vous donnait donc soit la catégorie la plus probable, soit, et c'est le mieux, une distribution de probabilité.
tu as 0, une probabilité de 0,9 d'appartenir à la classe entreprise, mais une probabilité de 0,1, par exemple, d'appartenir à la classe date. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va permettre de repérer des données pour lesquelles la prédiction n'est pas très sûre. C'est pas la même chose si vous avez une probabilité à 0,9 et 0,1 ou si vous avez une probabilité à 0,55 et 0,45. Là, vous êtes beaucoup plus incertain sur votre prédiction. Et surtout, finalement, donc juste cette distribution de probabilité, c'est pas très intéressant de s'arrêter là. Souvent, c'est ce qu'on vous présente en machine learning, mais si vous regardez un peu ce qui se fait dans la recherche, on a souvent des modèles beaucoup plus complexes. Et un type de modèle qui nous intéresse, c'est les modèles, des modèles multi-agents. Donc un modèle multi-agent, c'est des agents qui sont indépendants dans un environnement et qui vont chercher à optimiser une fonction. Et pour ça, un agent a la connaissance que de ses voisins. Donc il va réduire son problème localement en ajustant ses valeurs pour réduire au mieux le problème en fonction de ce qu'il en connaît. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec ces agents qui travaillent chacun localement, on arrive généralement à faire converger une très bonne solution de manière à un problème beaucoup plus global. Donc ça a été testé dans le laboratoire de Toulouse où j'ai fait ma thèse. Ça a été testé, par exemple, et avec succès, pour adapter le niveau d'un jeu vidéo au niveau de l'utilisateur. Par exemple, quand on prend le même jeu vidéo avec mon compagnon, on met généralement pas le même niveau de difficulté quand c'est lui ou quand c'est moi. Et là, vous avez un jeu qui est capable de s'adapter, ou même vous rentrez un soir, vous êtes un peu fatigué, mais vous allez avoir le niveau de difficulté de votre jeu qui va baisser sans que même vous vous en rendiez compte. Donc ça, c'est un premier domaine d'application. Ça a été aussi utilisé pour des maisons domotiques, ou pour optimiser la consommation d'un moteur. Donc c'est très bien pour des problèmes qui ont plusieurs contraintes et des contraintes qui peuvent être contradictoires. Et nous, on se dit que ça serait sympa de regarder ce que ça donne sur notre problème, et ça pourrait nous permettre aussi de rentrer des règles, des choses qu'on connaît, par exemple sur le format d'un numéro de téléphone ou ce genre de choses, et de venir enrichir notre méthode de machine learning de notre connaissance à nous. Alors, dernière chose, ça nous intéresse de travailler sur le sujet parce qu'actuellement, je ne crois pas qu'il y ait d'implémentation équivalente, enfin en tout cas s'il y en a en Python équivalente à Scikit-Learn, je ne l'ai pas trouvé. Et je pense que c'est des méthodes qui, malgré leurs excellents résultats en recherche, sont bloquées dans leur utilisation parce qu'il n'y a pas d'implémentation clé en main. Donc j'ai un ami qui a écrit une thèse sur le sujet, et à la fin de sa thèse, il montre comment ça peut être généralisé. Il a donné un embryon de code pour créer un modèle générique, et on veut partir de cet embryon de code pour proposer, nous, une bibliothèque pour faire du multi-agent qui soit générique. On trouve que ce serait une belle contribution pour la communauté. Voilà, il nous reste un peu de... J'ai parlé vite, du coup il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Je vous remercie de votre attention.